여세요, 저는 RTZ 입니다. 왜? 왜? 지나치. 잠깐만. 딱. 아. 헤? 오! Morning. Today we are with the leader of a Red Tiger. So, je suis content de. Ouais, d'accord. Je vous présente le leader de Red Tigers, ouais. Bonjour, c'est moi, Maxime. Comme il a dit, je suis le leader de Royal Tigers. Royal Tigers, on existe depuis décembre 2021, donc c'est assez récent. Vous allez dire vos prénoms un par un. Comment ça? Moran. Abdel. Moi, c'est Nancy. Et moi, c'est Maïs. Du coup, moi, je m'appelle Kaira. Mais les gens, ils m'appellent Kai parce que c'est mignon. Moi, je m'appelle Lynn. Moi, je m'appelle Aliciana, mais je préfère qu'on m'appelle Alix parce que c'est joli et j'aime. Ben voilà. Bonjour, moi je m'appelle Alan. Bon, moi c'est Émilie. Moi c'est Jawad. Pourquoi Royal Tigers? Alors, ça vient d'un truc très très bête. J'étais avec mon meilleur ami, on buvait d'alcool. Et sur la bière, il me semble qu'il y avait marqué Royal. Soit Royal, soit Tigers. Je crois que c'était marqué Royal. Et du coup, on s'était dit, ouais, avec Royal, on peut faire quelque chose de sympa. On avait pensé à s'inspirer de Royal Family. On s'était dit, Royal Family, voilà, c'est un très beau groupe. Donc on aimerait s'inspirer un peu de ça avec Royal. Et je sais pas, Tigers, c'est venu. On s'est dit, bon, Royal Tigers, ça passe bien. On s'est dit qu'à la place du S à la fin de Tigers, on pouvait remplacer par un petit Z. Ça pouvait être sympa aussi. Donc voilà, on s'est dit, Royal Tigers, ça passe. Et RTZ, let's go, c'est parti. On a beaucoup de projets, on a accompli beaucoup de choses, je trouve, depuis si peu de temps. Accompli déjà la Geekali, j'en suis très fier et je pense que tout le groupe en est fier aussi. On est arrivé à la troisième place pour le concours Pop and Dance. On a travaillé pendant un mois, tout le mois de juillet, on était vraiment full sur ce projet. Et finalement, tout s'est bien passé, j'en suis très fier et très reconnaissant envers tout le monde. Je dis aussi merci à Brandon pour la salle. Voilà, qu'on a pu utiliser pour vraiment perfectionner et voir ce qui allait pas. Dire que en fait je suis professeur de danse, du coup j'ai une salle et quand il n'y a personne qui l'utilise, bah, je propose au moins au groupe, est-ce que vous voulez aller dans la salle? Parce que déjà être dans une salle avec un miroir, c'est très utile parce qu'on peut directement voir nos placements, on peut directement voir aussi les mouvements et quand ça ne va pas. Et en fait, c'est très utile une salle avec un miroir. Moi, mon objectif, puisque je suis nouvelle, performer avec Royal Tigers, c'est un grand événement. Ouais, sur scène. Sur scène. Ouais, pareil. Vu qu'on fait quand même pas mal de covers, ça va nous permettre, par exemple, lorsqu'on va performer un événement, de nous faire aussi remarquer et aussi de s'adapter à plusieurs types de publics, et on va s'adapter à ça, et c'est ce qui va nous améliorer en fait à chaque fois qu'on va danser, à chaque prestation, etc. On peut aussi s'améliorer aussi en faisant d'autres trucs, genre hors la, les covers, ouais, de la création, on va commencer à faire les blogs, du coup je pense que ça va nous faire connaître, mais je pense que c'est mieux de nous faire connaître aussi par rapport à notre personnalité, comme on est en groupe, genre on peut faire des jeux, genre comme dans les trucs de comme BTS Run, des trucs comme Squid ça. Game. Nos liens, comme on est en dehors des danses. Du coup, c'est encore à voir. On en parle toujours avec les autres. Du coup, en fait, il faut voir avec les temps, genre les temps libres des autres. Du coup, on va devenir famous. Ouais. Merci à vous. On voit vraiment, genre, quand on s'amuse, on voit vraiment le lien du groupe. Du et lien. On voit vraiment que le groupe, c'est un groupe vraiment soudé et fort. Je suis trop fière de nous et je suis toujours fière. Ça fait quoi? Ça fait même pas un an qu'on a commencé, si? Non, ça fait pas un an qu'on a commencé. Notre première prestation en tant que Geekali, on est arrivé 3e. On avance hyper vite dans les covers. Et ça change. Parler que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en France pour les études, peut-être qu'on va continuer en France. Mais si ça se continue pas, on fera avec. Genre on gardera les contacts avec les autres. Et je continuerai quand même à les encourager, même s'ils restent à La Réunion. Parce que moi, du coup, je vais continuer plus dans une école de danse. Et du coup, Royal Tigers, au moins, ça me permet aussi de continuer de danser, vu que
ça fait partie de mes passions, de ce que j'aime. Moi aussi, je pars en France. Let's go. Et je pense que je vais continuer dans la danse et essayer de m'améliorer de plus en plus. Et comme Émilie, genre si on continue en France, bah, je resterai toujours dans la danse. RTZ en Corée. Voilà, c'est notre but. RTZ en Corée. Voilà. Moi, je fais mes trucs en même temps solo à côté, donc on verra où ça mène. Pour la suite, c'est dit, on se reconcentre sur nos covers. Donc là, prochainement, on aura beaucoup de dance covers qui vont sortir sur notre chaîne. Donc déjà, se concentrer sur toutes nos danses. Pour l'année prochaine, essayer de voir un petit projet pour partir en Corée, si possible. Un petit, un gros projet. Un petit gros projet. Morane qui a spoilé. Non, en fait, c'est pas vraiment un spoil, mais vu que en fait, c'est un truc international que moi j'ai participé en 2019 et que moi j'aimerais refaire parce que en même temps. Spoil beaucoup là. Non, c'est pas un spoil, c'est un synopsis. Ce serait vraiment super de faire découvrir la Réunion, surtout la Réunion aux autres pays, aux pays du monde entier, surtout à travers les réseaux d'une grande, très grande chaîne internationale. Alors, moi déjà, faut savoir que je suis pas réunionnais déjà. Ça fait que un an que je suis ici et j'ai toujours voulu rentrer dans un groupe de danse et du coup quand je suis arrivé à La Réunion, j'en cherchais un. J'ai trouvé un premier groupe mais compliqué, j'ai dû quitter et ensuite j'ai trouvé les RTZ. Et au début je venais juste à leur répète et ainsi de suite, de fil en aiguille, j'ai fini par être avec eux et voilà. Perso j'aime bien le rythme qu'il y a, enfin c'est fun. C'est pas genre tu fais et si t'y arrives pas, on te démarre. C'est genre tu fais, tu recommences, si t'y arrives pas, bah c'est pas grave. Moi ouais, c'est ma première répétition. Et j'adore l'ambiance, c'est comme Kyle a dit, si tu fais une erreur c'est pas grave, genre bah voilà quoi, on s'amuse aussi, on fait des blagues, on rigole, et bah voilà. Alors moi personnellement je dansais déjà avant, et puis une fois j'avais vu le compte mais je savais pas trop c'était basé sur quoi. Mais après une fois je les ai vus au skatepark pendant le Random Dance et ça m'avait beaucoup intéressé le groupe. Je voyais comment ils étaient soudés, comment voilà. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Moi c'est parce que on partage, enfin pas les mêmes valeurs mais presque, enfin la même façon de penser et c'est pour ça que j'ai rejoint ce groupe en fait. C'est un bon groupe. Quoi. Moi ma motivation c'était ça faisait déjà longtemps que je voulais faire partie d'un groupe. Et la danse, c'est ma passion depuis 5-6 ans déjà. Et puisque je suis fan de K-pop, je me suis dit waouh, il y a Royal Tigers, go en fait. Avant, j'étais trop jeune pour les auditions, mais maintenant, je me suis dit faut tenter le coup. Pour moi, j'ai commencé dans un autre groupe. Et en fait ça s'est mal passé, du coup on a dû quitter et peu après, je pense 2-3 mois après, ils ont créé RTZ et ils m'ont dit de venir en fait, venir vu qu'on se connaissait déjà et tout ça, qu'on savait déjà que on dansait tous etc. Et rejoindre RTZ et voilà. J'avais vu votre compte dès le début en plus hein. C'est vrai. Le premier teaser là de... C'est moi qui ai filmé. C'est vrai? Ouais. Moi je l'ai vu. En fait on est vraiment genre un grand groupe de potes, même s'il y a des gens qui se rajoutent au fur et à mesure, on reste un grand groupe de potes qui font des choses. J'ai vraiment voulu, enfin là en entrant dans Royal Tigers, j'ai vraiment voulu vaincre ma timidité et genre essayer de montrer que je suis là, quoi, que je suis vivant. Moi c'est plus pour le fun, parce que j'aime bien. Genre de base j'ai parlé à Kai, c'est Kai qui m'a dit mon groupe il cherche un nouveau membre, enfin il fait des auditions et tout. Donc j'ai fait je recherche vraiment une cohésion de groupe parce que j'ai vu des groupes dansés à la fête Gwangdi et il y avait Brandon là-bas et du coup j'avais trop envie de danser, genre avoir un groupe, donc c'est cool. En fait j'ai rejoint Royal Tigers au début quand je suis arrivé à La Réunion, je voulais trouver un groupe de danse et sauf que je trouvais aucun groupe qui me correspondait, qui avait l'énergie dont j'avais besoin et surtout pour me faire évoluer. Et après c'est là que quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont créé un groupe et que je connaissais un peu leurs capacités, du coup moi ça m'a permis de en fait, voir un projet, un grand projet qui est très réalisable et surtout je sais que avec ce groupe on peut faire beaucoup de choses et aussi des choses extraordinaires.
Parce qu'au début, on était quoi, 4-5. Au final, maintenant, on est bientôt plus de 14, une vingtaine bientôt. Donc c'est vrai que plus on avance, plus on se dit « Ah ouais, quand même, ça commence à se durcir et que voilà. » On a entendu dire que Royal Tigers, quand on vous voit de loin, quand on ne vous connaît pas personnellement, on dirait que vous faites peur vu que vous êtes en groupe, en masse. Ouais, c'est l'effet de groupe quoi. En tant que membre, j'approuve. Je vous le dis, ils sont terrifiants. Dans quel sens? Non mais genre par exemple, quand j'ai passé les auditions, et... Oui. C'était... Franchement, j'ai baissé la tête quoi. C'était un exercice. Ah, on est intimidant, c'est ça? Ouais, vous êtes très intimidant. Au premier regard, c'est vrai. Je pense qu'on est intimidant parce que chacun a leur propre style dans le groupe et chacun s'impose. Genre, ouais. Nous, on n'a pas comme. On n'est pas un club ou une institution de danse où on dit bah tu viens en tenue de danse, genre tout. Chacun a son style et on match avec. Genre, regardez déjà sur la vidéo, on a chacun un style différent et pourtant ça ne nous empêche pas de danser avec, de rigoler avec, de. Voilà. Bah, c'est hyper varié la K-pop. Du coup, c'est plus parce qu'il y a des danses à apprendre, parce que ouais. C'est une communauté à part en fait. Moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'ai décidé de la K-pop parce que ben, ça fait depuis 2009 que j'écoute la K-pop. J'ai vraiment voulu chercher une passion à côté. Du coup, bah, j'étais dans un ancien groupe. Puis je suis venue l'envoyer à Tigers et voilà. Alors moi personnellement la K-pop parce que j'écoute depuis 2014 il me semble et je trouve que c'est un univers que j'adore parce que bah il y a de la danse, il n'y a pas que de la musique comparé à bah, si on compare aux autres musiques urbaines par exemple. Et ça bouge plus, ça donne plus de peps de danse. C'est parce que j'écoute ça depuis assez longtemps et j'aime la danse et du coup la K-pop ça permet de... Enfin j'aime les chorés de la K-pop et du coup ça permet de... Voilà. J'aime beaucoup l'univers et je vais dire aussi la date parce que j'écoute de la K-pop depuis 2013. Je me suis fait un ami, genre... Parce que en fait je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui écoutaient de la K-pop et tout mais quand... Ben là je suis dans les groupes, je vois en fait réellement qu'il n'y a pas que nous en fait qui écoutent la K-pop et c'est pas que dans l'Est ou dans le Nord, ça touche vraiment tout la région. Même si la hausse. Oui, même si la hausse. Du coup ben voilà, moi ça m'a apporté ben, du bonheur depuis que je suis dans Royal Tigers et voilà, je me suis améliorée. Bah moi j'avais commencé la danse depuis petite, du coup mes parents m'avaient inscrit dans plusieurs trucs de danse et ensuite j'ai découvert la K-pop, du coup ça m'a poussé à continuer la danse. Bah moi ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai fait de la danse, voilà, je m'améliore quand je peux et... Bah, moi personnellement ça fait 7 ans que je danse mais j'ai jamais été dans un club, j'ai toujours dansé bah, de moi-même, j'ai appris par moi-même avec YouTube tout seul. Après j'ai juste fait 3 ans de danse contemporaine au lycée mais c'est tout. Moi ça fait 2 ou 3 ans que je danse et comme Alan j'ai jamais été dans un groupe ou dans un club. Je dansais vraiment de moi-même et j'essaie vraiment de m'améliorer moi-même. Mais genre maintenant vu que je suis dans un groupe, genre, j'ai encore plus envie d'aller plus loin encore. Parce que bah, avant je faisais de la danse orientale, je sais pas si ça compte, mais ouais. Quand j'étais petite, je crois que j'en ai fait pendant 5-6 ans. Ensuite j'ai arrêté pendant longtemps et ensuite la K-pop est venue dans... Bah moi j'ai pas commencé avec la K-pop, c'est venu après et voilà, c'est un style que j'aime bien aussi. Moi je veux m'améliorer en danse personnellement parce que voilà, les expressions faciales. Ça serait bien d'auditionner plus dans des groupes plus gros, c'est-à-dire pour des compétitions. Voilà. Non, moi pas vraiment. C'est vrai que je veux m'améliorer dans ce groupe-là, voilà, j'aimerais évoluer dans ce groupe-là. Mais après, je pense que voilà, jusqu'à ce que je trouve un travail, et après, je pense que je vais me concentrer sur ma vie professionnelle. Ouais. RTZ, c'est trop bien. J'espère qu'on restera comme ça jusqu'à la fin. Stan Royal Tigers. Allez, ouais. Regarder toutes les covers. Venez nous voir danser. Voilà. Ouais, venez auditionner. Et tu vois, il y a une file de gens qui ont venu juste pour les répètes. Moi, je tiens juste à dire pour les personnes qui ne sont pas dans le groupe et qui aiment la K-pop et qui veulent
entrer dans un groupe, bah, n'hésitez pas, parce que bah, nous, on n'hésite surtout pas à s'amuser, surtout, genre, c'est pas vraiment que danser, on s'amuse. Et abonnez-vous. Bah, merci à tous les membres d'avoir été là depuis le début, merci aux nouveaux qui ont décidé de nous rejoindre. Et j'espère que vous allez nous suivre, parce que bientôt nos dance covers, on sort bientôt de nouveaux dance covers, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, venez nous suivre sur notre Instagram, Royal Tigers, pareil sur YouTube. Et voilà, on va être très actifs durant ces jours à venir. On espère que vous allez nous suivre de très près. Et encore merci à vous tous de nous encourager, parce que voilà, vous êtes beaucoup à nous envoyer des messages sur Instagram pour nous dire, notamment pour la Geekali, pour nous dire que c'était génial. Donc merci à vous tous, et on vous en suit éternellement reconnaissant, et voilà.